Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer des escalopes à la milanaise. Alors, c'est des escalopes de poulet pané. On peut utiliser aussi des steaks de veau pour réaliser cette recette. Alors, pour cette recette, il nous faudra des escalopes de poulet. Donc là, j'ai des escalopes de poulet qui sont très fines. J'ai l'équivalent de 5 escalopes de poulet. Il nous faudra en épices du sel, du poivre, de l'ail en poudre et un petit peu de piment doux. Ensuite, il nous faudra du parmesan râpé, l'équivalent à peu près de 50 grammes. Si vous n'avez pas de parmesan râpé, à ce moment-là, vous pouvez mettre un petit peu de fromage râpé. Il nous faudra de la farine, de la chapelure, des œufs. Et il nous faudra l'équivalent à peu près d'une grosse cuillère à soupe de persil haché. Et il nous faudra aussi une petite cuillère de lait que je vais mélanger avec les œufs. Et il nous faudra aussi pour cette recette de l'huile pour la friture. Alors, dans un premier temps, je prends une assiette creuse et je vais y casser l'équivalent de 2 œufs. Je rajoute dans les œufs un petit peu de poivre, un petit peu d'ail, un petit peu de piment doux et un petit peu de sel, l'équivalent à peu près à une demi-cuillère à café à chaque fois. Donc là, je mets le poivre. Je rajoute le sel. Je rajoute le piment doux. Et je rajoute l'ail en poudre, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Ensuite, je rajoute le parmesan râpé. Je rajoute le persil haché. Et l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait. Je vais bien mélanger le tout. Alors, je réserve les œufs et maintenant je vais préparer les escalopes. Alors, je vais déposer sur les escalopes du sel, du poivre, du piment doux et de l'ail. Et je fais ça sur chaque escalope et je les retourne et je reprocède de la même manière. Je les sale, je les poivre, piment doux et ail. Ensuite, après avoir préparé mes escalopes de poulet, mes œufs, là j'ai pris une assiette, j'y ai déposé de la farine et une autre, j'y ai déposé de la chapelure. Alors, je vais commencer par mettre les escalopes de poulet dans la farine, ensuite dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. On incorpore bien la farine sur l'escalope. Ensuite, on les trempe dans l'œuf. Et ensuite, dans la chapelure. Après avoir incorporé bien mon escalope dans la chapelure, je la dépose sur une assiette avant de la faire cuire. Et je continue. Donc je les trempe dans la farine. Ensuite, dans le mélange œuf, fromage, persil et épices. Ensuite, dans la chapelure. On insiste bien avec la chapelure, qu'il y en ait bien partout.
et on continue l'opération jusqu'à finir toutes les escalopes. Ensuite, je fais chauffer une poêle, j'y ai déposé de l'huile de tournesol et je vais venir y déposer mes escalopes. Et je les fais bien cuire sur les deux faces. Ensuite, je les retourne pour les faire cuire sur l'autre face. Ensuite, une fois qu'elles sont bien dorées, je les retire et je les dépose sur une assiette avec du papier absorbant. J'ai terminé de préparer mes escalopes à la milanaise. C'est une recette qui est vraiment facile à réaliser et qui est vraiment délicieuse, que je vous conseille de réaliser. Mes escalopes à la milanaise sont prêtes et il ne reste plus qu'à les déguster.